C'est une vidéo pour les amateurs de beaux livres, hein. C'est une vidéo pour les gens qui aiment le légendaire Richard Corben. Et c'est une vidéo pour tous ceux qui sont sensibles à la poésie, à l'incroyable talent d'Edgar Allan Poe. Et oui, Esprit des Morts est réédité chez Delirium dans une version enrichie avec une histoire en plus. Ce bouquin était déjà sorti chez Delirium et il ressort avec cette magnifique couverture qui diffère de la première et qui nous rappelle combien le légendaire Richard Corben, qui nous a quittés, était un grand. Il a une carrière absolument fabuleuse, il a dessiné des milliers de pages, il a fait des choses absolument incroyables. On pense évidemment à ses collaborations avec Michael Mignola sur la série Hellboy. Et il a à peu près tout dessiné et tout créé. Richard Corben fait partie de ces légendes. Il fait partie du patrimoine. Il a d'ailleurs été Grand Prix d'Angoulême, ce qui ne gâche rien. Et dans ce magnifique ouvrage, le livre est beau, il est beau parce que c'est un magnifique objet, et il est beau parce que graphiquement c'est époustouflant. Et donc on y découvre l'adaptation de nombreuses nouvelles d'Edgar Allan Poe, son univers évidemment graphique s'adapte parfaitement aux mots d'Edgar Allan Poe, à tout ce qu'Edgar Allan Poe a pu écrire, imaginer dans son esprit torturé, la noirceur de ses récits et la beauté des mots qu'il utilise et avec lesquels il joue, eh bien, sont magnifiquement mis en image par un dessinateur, je vous l'ai dit, tellement doué, tellement incroyable, tellement profond, tellement capable de tout faire, de tout dessiner, de tout produire. C'est fascinant, c'est envoûtant, c'est glaçant, c'est magistral et c'est tout simplement incroyable de voir à quel point chaque page nous invite dans les méandres de l'esprit d'Edgar Allan Poe et dans le talent infini d'un Richard Corben, un artiste qui laisse derrière lui des centaines de pages, une œuvre magnifique et conséquente, et des illustrations qui franchiront les époques et qui seront à jamais là dans l'imaginaire collectif. Je tiens à remercier et à saluer le travail de Delirium qui fait un travail époustouflant, sur Edgar, sur ce que peut nous proposer Richard Corben, puisque Richard Corben, la qualité de la quasi-totalité de ses comics, en tout cas connus ou disponibles, sont édités chez Delirium et c'est un travail qui dure depuis des années et c'est un travail acharné pour rendre hommage à ce talent et le succès que Delirium peut avoir sur ses récits, eh bien, il est complètement mérité. Esprit des Morts, c'est à découvrir, bien entendu en lien dans le descriptif de la vidéo, c'est un sublime ouvrage que je vous invite à découvrir. Il est bien entendu incontournable et il est en lien, c'est une très belle nouveauté de chez Delirium, bravo pour ce travail. Si vous aimez Richard Corben et Edgar Allan Poe, vous allez en prendre plein les yeux. Salut.